Bonjour les amis, cette vidéo elle est faite pour vous. Si actuellement vous êtes dans la confusion, il est difficile pour vous de prendre une décision, de vous positionner, parce que c'est vraiment confus dans votre tête. Quels que soient les choix que vous vous faites, il y a des avantages, il y a des inconvénients. En réalité, c'est compliqué pour vous de faire un choix. Et pourtant, parfois, certains choix sont importants parce que ça oriente. Vous avez besoin à un moment donné de prendre des décisions importantes pour orienter votre vie. Comment faire pour se sortir de cette confusion? Moi, je vous propose une question. C'est peut-être la question la plus importante à vous poser, qui vous reconnecte à la solution idéale. La question est la suivante. Dans un monde idéal où tout est possible, quel est le choix que vous ferez? Imaginez que vous êtes dans ce monde-là, vous êtes au paradis, tout est possible. Vous pouvez tout demander. Quel est le choix que vous ferez? Quelle est la demande que vous ferez? Qu'est-ce que vous allez déposer si tout était facile, tout est simple, à supposer que vous avez tous les moyens pour réaliser ce qui est cher à votre cœur? Quel serait votre choix? Posez-vous cette question-là. La réponse que vous allez obtenir spontanément était en réalité votre solution du moment que vous ne vous autorisez pas à avoir accès, que vous ne vous autorisez pas à déposer. La seule et unique démarche, du coup, mes amis, à ce moment-là, c'est ou de se faire accompagner ou de vous préoccuper, de vous faire sauter tous les blocages qui vous empêchent justement de vivre ce qui est important à votre cœur. Donc, ça met de la lumière dans cette confusion qui se pose entre « je ne sais pas ce que je veux » et je ne sais pas accéder à ce que je veux. C'est deux démarches complètement différentes. Dans cette vidéo, je vous offre déjà la possibilité d'accéder à ce que vous voulez. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir vous concentrer, vous préoccuper à... Vous pouvez énumérer tous les blocages, quels sont les blocages et les freins qui vous empêchent d'accéder à ce qui est cher à votre cœur. Et préoccupez-vous de ça. Soit vous faites... Vous vous libérez de vos blocages vous-même, soit je vous invite tout simplement à prendre un coaching et un rééquilibrage énergétique justement pour vous permettre de vous mettre en mouvement dans cette direction-là qui est en réalité la direction qui contribue à votre bonheur. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ces quelques pistes de transformation vont vous aider. Je vous souhaite une très belle journée, mes amis.